Messieurs et dames, merci de suivre Grande Tribune, votre magazine de débats politiques. Aujourd'hui, notre débat tourne autour de l'audit du fichier électoral lancé par la CENI avec une équipe mixte des experts nationaux et internationaux. Et puis, nous allons échanger sur la sortie médiatique de Vital Kamerhe sur la rareté du maïs. Quelle lecture faire de ces deux thématiques? Les débatteurs de ces jours sont Jules Pitra Mukendi, expert en marketing politique. Cher Pitra, bienvenue. Merci beaucoup, cher Daniel. Et puis, nous avons Papi Diosso, cadre ALDC, parti politique, membre de l'Union Sacrée. Cher Patrick, welcome. Merci beaucoup, monsieur Daniel, mais je dois porter une précision. Très bien. Je suis maître Papi Diosso, Ngandomoine de la Bouinda, très affectueusement appelé troisième intellectuel de Kabeya Kamon et prophète politique. Je suis cadre et communicateur certifié et attitré d'ALDEC, un parti politique de l'excellence Adel Kainda Maïna, Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Maître Claude Ngoma, il est également cadre, il est cadre de Nouvel Élan, parti politique de l'opposition. Maître, bienvenue. Merci beaucoup et salutations à mes débatteurs de cet après-midi et à la grande équipe qui se sont arrangés derrière les caméras. Je leur dis un petit coucou. Et à toutes les Congolaises et Congolais, bien que nous le passons, nous fêtons cette journée en méditation. Et c'est une journée qui a été changée un peu, l'intitulé. Parce qu'il faut rappeler qu'on fêtait la fête de la libération, mais désormais ce n'est plus la fête de la libération, mais maintenant c'est la fête des FARDC. Très bien. Donc c'était ça et nous le passons, nous fêtons ça en méditation. Donc je souhaite à tous les Congolais et Congolais bonne fête avec nos voyants militaires qui se battent avec les moyens de bord dans la partie orientale de notre pays. Merci beaucoup. Et enfin, Jeannot Manyanga, président de Ligue des Jeunes MCR, parti membre du FCC. Cher Jeannot, bienvenue. Merci beaucoup, M. Daniel. Merci également. Bonjour à nos co-débatteurs avec qui je pense que nous allons débattre et partager, parler sur la République aujourd'hui. Et j'en profite également pour cette occasion pour rendre un arrêt mémoire à un héros qui est Musée Laurent Désiré Kabila. Comme vous le savez, nous nous sommes des produits du 17 mai. Donc, nous sommes arrivés ici à Kinshasa. Je pense que c'était un certain 17 mai. Voilà, aujourd'hui, je marchais avec le bot qui nous ont amené à Kinshasa pour renverser la donne qui existait entre un régime dictatorial qui a régné pendant 30 ans. Mais aujourd'hui, nous voulons célébrer avec un homme, un euro et un visionnaire que nous pouvons s'en passer aujourd'hui pour la servir de la République démocratique du Congo. Nos salutations vont également nul droit à nos autorités du Fonds commun pour le Congo, FCC en sigle, et surtout à toutes les personnes qui nous suivent à cet instant, partout où ils sont, en RD et à l'extérieur du pays. Merci. Alors, avant d'entrer en détail de des thématiques, je voudrais, s'il y a une actualité ou une information que vous voulez commenter avant que l'on entre en détail, alors je commence avec vous, cher Pitra, est-ce qu'il y a une actualité ou une information que vous voulez partager avec nous et surtout commenter avant de commencer? Merci beaucoup, cher Daniel. Je commencerai par dire... j'ai manqué ça d'entrée. Je veux dire bon anniversaire à un ami à moi, Tonton Kabamba, qui nous suit certainement, qui est un fidèle de cette émission. La petite information, je ne sais pas si c'est une information, je vais commenter l'actualité. Très bien. Le 17 mai, c'est une date qui, pour nous, devait rester une date mythique. Voyez-vous, avec ce qui est arrivé après, la date est restée plutôt mystique. Okay. Mystique parce que c'est une date qui a désormais été partagée entre... l'espoir et, je vais dire, tout ce que ramenait Mouzé comme un changement dans le pays après la dictature qu'il y a eu. Mais nous nous sommes rendus compte qu'après, Mouzé ne s'était pas rendu compte que c'était une possibilité pour lui d'infiltrer aujourd'hui notre pays par le pouvoir de l'Est, le Rwanda, Ouganda et autres qui, depuis
que Mouzé les avait amenés dans ces pays. Nous avons vécu le revers comme nous les avons vécu. Et aujourd'hui encore, le pays souffre de cette histoire. Moi, je crois, comme j'ai dit, donc, la date devait rester mythique, mais elle est restée mystique, malheureusement, parce que c'est à cette occasion-là que nous avons vécu l'infiltration à tous les niveaux, au niveau bien de la sécurité, des douanes et autres. Et depuis, nous nous battons pour nous sortir de cette histoire. Donc, Mouzé était plein de bonne volonté, certainement, mais qui n'avait pas vraiment très bien saisi les contours de ceux avec qui il avait entrepris cette œuvre. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons là-dedans. Donc, c'est un bilan mitigé, un sentiment partagé comme ça. Et je crois que les Congolais devront garder ça et retenir ça de cette manière-là. Ah, donc, selon vous, c'est parce que Mouzé est venu qu'il y a eu... Donc, l'initiative était bonne, mais la mise en pratique de tout ce qu'il y a eu comme contour n'était pas bien gérée. Tout à fait. Donc, Mouzé était plein de bonnes intentions. Ouais. Je crois même qu'il est resté dedans. Ouais, parce qu'il avait de bonnes intentions, mais ceux avec qui il était venu avaient d'autres projets qui étaient, je vais dire, beaucoup plus étendus que le sien. Et donc, cela nous a amené dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Il s'est rattrapé quand même après. Peut-être ça lui a quand même coûté, mais il s'est rattrapé pour lui demander de partir. Non, dire qu'il s'est rattrapé, ça veut dire qu'il c'est comme s'il était dans le complot avec les autres. Non, lui n'était pas dans le complot. Lui, il avait une autre vision, il fallait libérer le pays. Mais ceux qui sont venus avec lui, ceux qui ont mis les moyens, malheureusement, n'étaient pas ne voyaient pas la chose de la même manière que lui. Ils voyaient que 4 ans après, il n'était plus là parce qu'il n'avait pas compris qu'il s'était déjà fait infiltrer suffisamment. Et malheureusement, nous avons perdu quelqu'un qui avait une grande vision. Mais de la même manière, j'ai dit que c'est par cette entreprise-là que le malheur nous est aussi parvenu, nous est tombé sur la tête. Vraiment. Alors, cher papy, quelque chose, une information à commenter avant de commencer notre débat. Merci beaucoup, cher journaliste Daniel Kamboa. Laissez-moi d'abord commencer mes propos par saluer tous les amis communicateurs avec qui nous nous sommes lancés dans ces combats depuis très longtemps, jusqu'à ce que nous sommes au pouvoir. Je peux citer quelques-uns. Chris Mukindi, Didier Baye, Pasteur Gili Bokwala, Mitterrand, Naya Trésor Kandolo et tant d'autres. Ce sont là les communicateurs qui sont là pour vulgariser les actions du chef de l'État. Je m'en vais également saluer le président intérimaire de ma formation politique, l'honorable Smith Kapenda, ainsi que le secrétaire général, le professeur Emérite Ntouaremba, pour tous les efforts qu'ils sont en train de mettre en place, surtout la stratégie de faire descendre dans des différentes provinces les secrétaires nationaux, comme nous sommes pendant une période électorale, de s'enquérir de la situation de nos bases de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, partout où ils sont. Mais, deuxième chose, là c'est une actualité politique. Okay. Je suis très désolé et très déçu de voir le cardinal Ambongo se mettre devant les fidèles des dieux au lieu de prêcher. Mais il transforme cette église catholique qui est devenue comme un siège d'un parti politique où il a le courage de dire à ses fidèles qu'il rejette énormément la proposition de loi sur la congolité qui est amenée à l'Assemblée nationale par les députés, les cerveaux d'État, honorable Ntingi Pouloulou, que je salue en passant. Je dois demander à cet homme de Dieu de prendre le courage qu'a pris son confrère, qui est le pasteur Pascal Mukuna, qui a aussi transformé son église en un parti politique. Ce n'est pas du tout mauvais. L'église doit être vraiment, vraiment, vraiment au milieu du village. Voilà quelques petits mots avec lesquels je peux commencer mes propos. Mais je peux finir par dire à tous les Congolais que la date des 17 mai, ça c'est une étude, un raisonnement qui m'est propre, mais je pense que les avis seront peut-être partagés. Une date malheureuse pour les Congolais. Malheureuse pourquoi? Parce que nous avons cru que Mouzé était venu pour la libération de notre pays, okay. Alors que Mouzé était venu pour la livraison
de notre pays entre les mains des étrangers, en particulier le Rwanda qui est soutenu par la communauté internationale. Donc, c'est une date où tous les Congolais doivent se mettre autour d'une table, réfléchir de cet événement malheureux qui était entré au Congo. Mais hélas, l'histoire, on ne peut pas la changer. Nous avons aujourd'hui le Josué du Congo qui est venu transformer l'histoire de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Josué du Congo. Très bien, merci beaucoup, cher Claude. Votre commentaire? Très bien, je veux donc, voilà, tourner toujours autour de cette date, pour moi, qui reste encore mythique, dans la mesure du possible que c'est une date qui désormais restera comment gravée dans l'histoire de notre pays et surtout dans la mémoire collective des Congolais. Mais je vais réagir en désamour avec mon estimé confrère, si bien qu'ici on ne vient pas comme avocat, sinon chacun brandirait donc voilà une procuration émanant de son bâtonnier. Okay. Mais on vient justement pour commenter l'actualité. Alors, Musée, c'est un libérateur pour ces Congos. Nous devons du respect à cet homme, à ces vaillants militaires. Okay. Pourquoi? Parce que tous, on en avait marre avec le régime de Mobutu, qui était déjà finissant, et Mobutu, à son temps, toutes les structures de l'État étaient désarticulées et que l'État n'existait plus. Et c'est sur ces contextes-là que Musée a pris le courage de venir libérer le Congo. Et c'est grâce à Musée, aujourd'hui, nous nous sommes séparés de ces drapeaux tricolores qui portent les flambeaux. Aujourd'hui, nous avons le drapeau national. Depuis 60, vous voyez. Et donc, Musée, c'est, pour moi, je dis, c'est une forte pensée politique. En cet homme, moi, j'ai retenu trois fortes pensées politiques. Okay. Ne jamais trahir le Congo. La guerre sera longue et populaire. C'est ce leadership que moi, j'ai retenu de ce grand homme. Et qu'aujourd'hui, le 17 mai, j'aurais voulu que nos effarnissés, c'est leur fête, nos militaires puissent nous offrir ces défilés militaires en l'honneur de leur tenue, en l'honneur du symbole national, du symbole patriotique qui est les drapeaux. Mais malheureusement, avec le contexte d'insécurité qui sévit dans tout l'espace congolais, il n'y a pas moyen que nous puissions assister à cette fête-là. Donc, du coup, voilà, nous la fêtons sous méditation. Donc, j'aimerais humblement inviter mon ami Papi Djosso de réserver un minimum de respect pour cet homme. Parce qu'il a quitté cette terre d'existence, ce n'est pas par sa propre volonté, mais il a justement été tué lâchement pour qu'aujourd'hui, le Congo, nous puissions nous retrouver comme Congolais et retrouver cette dignité comme Congolais. Et c'est cette lutte que nous poursuivons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ouais. Même nos enfants vont encore en poursuivre parce que le Congo mérite à être, les Congolais méritent à être respectés par le monde entier et dans la sous-région. La dignité de l'homme congolais doit être retrouvée et le Congo doit retrouver sa force au centre de l'Afrique. Ok, merci beaucoup, cher Jeannot, pour votre actualité ou information. Merci beaucoup. Le fait de pouvoir entendre des choses qui se passent ici, heureusement, mon prédécesseur vient en moi de recadrer certaines choses, mais au surplus de cela, et je constate que mes co-débatteurs qui seront avec nous, alors ils sont en train de réfléchir autrement. Rappelez-vous, la date du 17 mai 1997, n'est-ce pas? C'est une date pour les Congolais, pour les militants, pour tous les Congolais qui ont eu à déplorer la monarchie, n'est-ce pas? La monarchie qui a s'installé dans ce pays, la bourgeoisie administrative également, parce que je suis en train de répondre à mon co-débatteur. Très bien. Sans cette mutation de la bourgeoisie administrative qui était mise en place par les régimes de Mobutu, lui ne serait pas ici avec son écharpe. Comment ça? C'est un régime qui a à mettre, au moins, à donner l'occasion aux Congolais de parler sur la République à ce qui concerne les multipartismes, la vulgarisation du parti politique aujourd'hui.
rappelez-vous, en scellé, lorsqu'on a dit à Mobutu de pouvoir libérer le secteur politique, Mobutu lui-même a plairé. Je me rends compte que maître avocat, je salue en passant aussi le professeur Touaremba Onfre qui m'a donné cours, je pense que lui n'a pas saisi, il n'a pas écouté Touaremba Onfre, le professeur ordinaire. Donc tout ce qu'on lui a enseigné à l'université, c'est entré et sorti. Vous comprenez? Alors il y a une histoire à sauvegarder. Il y a une histoire à parler, à communiquer à une génération. C'est aujourd'hui, le 17 mai. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'il faut enseigner à nos militaires qui sont aujourd'hui? Parce qu'il y a un militaire qui a pris le courage de pouvoir renverser la donne. Il lui fallait pour le gouvernement aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous sommes en état de siège. Quelle interpellation, quelle motivation, quel enseignement qu'on pourrait donner pour les militaires qui sont au front par rapport à un précurseur qui nous a mis sous les rails pour que l'armée soit structurée, l'armée puisse se retrouver dans l'état où elle se retrouve. Je suis en train de répondre également à mon frère qui est de l'autre côté, que je ne maîtrise pas les noms. Monsieur, il dit Pitra Mukendi. C'est à cause du musée de Laurent Désiré Kabila que le Congo est infiltré. Je pense que l'histoire nous renseigne, vous et moi, et nous tous, et tous ceux qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, que la guerre de l'Est a commencé depuis 1994, n'est-ce pas? Donc, 1994, au moment où il dépasse, a joué un grand rôle, n'est-ce pas? Pour pouvoir maintenir Mobutu dans cette situation-là, n'est-ce pas? Il fallait une alliance des Congolais pour mettre ces désordres qui étaient très bien entretenus au sein de la République. C'est ainsi que Mouzé est venu. Je rappelle à mon co-débatteur qu'à un certain moment, lorsque vous parlez de l'infiltration, ben je vais le prouver que l'IDPS a joué un grand rôle dans l'infiltration. N'est-ce pas? Nous sommes en 98. N'est-ce pas? Les Rwandais voulaient s'en finir avec le Sphinx. Ce Mouzé Kabila, de par ses stratégies, il a eu à mettre les Sphinx hors de Kinshasa pour le protéger. Mais ces dernières, pour payer Mouzé en monnaie de singe, il s'est retrouvé allié, n'est-ce pas, de ces mêmes groupes qui ont trahi le Congo. Nous sommes à 99 en 2000. C'est comme ça que l'IDPS, avec tous ses alliés, s'est retrouvé allié permanent, n'est-ce pas, de Rwandais. Et aujourd'hui, ce même groupe de Rwandais nous ont infiltrés, des généraux à tous les niveaux, dans la vie politique, dans la vie militaire, même dans la vie économique. Donc, ils n'ont pas le droit de parler sur l'infiltration, parce que l'IDPS a joué un grand rôle à ce qui concerne l'infiltration, parce que l'histoire est là. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons bien compris. Je pense qu'ils étaient dans la même logique, mais était beaucoup plus dans les conséquences de cette liberté. Avant de pouvoir traiter les conséquences, il faut pouvoir traiter les causes, n'est-ce pas? Moi, je parlais des causes et des conséquences. Donc, ils ne sont pas très bien appropriés pour parler de l'infiltration, parce que nous avons des éléments pour le prouver que l'IDPS a joué un grand rôle dans ces pays pour l'infiltration. Merci beaucoup. Alors, on prend la première thématique, c'est l'audit du fichier électoral lancé par la CENI. Alors, cher maître Claude, quelle est votre lecture après avoir rejeté la candidature ou accepté, après avoir pris acte de la lettre adressée à la CENI par l'OIF? Aujourd'hui, l'audit a été lancé par nos 5 voyants experts, dont 3 Congolais. Quelle est votre lecture en tant que opposition? Monsieur Daniel, j'aimerais que vous me communiquiez le monitoring. Très bien. J'ai combien? 5. Merci. Parfait. Alors, s'agissant de la question du processus électoral en RDC, de prime abord, il faudrait d'abord comprendre que le processus en RDC, c'est un tout cohérent. Et tant qu'un tout cohérent, tout le processus devait être vraiment... devait se suivre de manière successive. Au cas où il y a un bavure quelque part, eh ben, le reste sera biaisé. Et ce processus électoral aujourd'hui, pour nous, Nouvel-Élan et la Mouka, ça nous
comment ça ne nous donne vraiment pas cette confiance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas transparence dans ça. Il n'y a pas transparence de un. De deux, vous avez d'abord une CENI qui est composée à 100% de débouchés. Où à la tête, on a M. Denis Kadima qui joue le rôle, ou je vais dire la caisse de résonance de la présidence de la République. Mais qu'à cela ne tienne, ma formation politique Nouvel Élan n'est pas pour le boycott des élections. Okay. Nous sommes pour les élections. Et comme avait chanté un musicien ici congolais, je crois c'est JB, où Lola va mener Caillou, on est là. Okay. Donc on sera là le 23. Mais pour le moment, nous insistons autour de préalables que le parti prenante doive se retrouver. Pas pour se taper des postes. Pas pour revoir la configuration de l'actuel bureau. Mais justement, pour définir quelques principes qui devaient accompagner ces processus électoraux, pour donner à ces processus la crédibilité, la transparence et aussi l'indépendance. Mais malheureusement, M. Kadima et l'ensemble de nos amis du gouvernement ne veulent pas écouter le son de cloche de l'opposition et voir les choses dans ces sens. Aujourd'hui, ça nous rattrape. Okay. Il y a la question de l'audit du fichier électoral. M. Kadima a enrôlé 46 millions de Congolais. Ils ont fait l'audit externe, interne plutôt, en quelques jours. Et après, il va ouvrir, il va décréter une journée porte ouverte pour que les politiciens, donc les acteurs en face, puissent aller voir comment ce travail s'est faisait. Mais alors que nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons de participer de façon active dans ces processus. Mais voilà que cette porte nous est fermée. On avait interdit à personne Non, c'est-à-dire là, il n'y a pas transparence. Pourquoi? Parce qu'on va aller là-bas comme étant... C'est une visite guidée en fait. Ce n'est pas une porte ouverte, c'est une visite guidée. Vous n'aurez pas le droit de formuler des recommandations, même pas faire des observations. Donc c'est une visite guidée pour nous. Alors, je prends l'audit externe. Oui. Mon cher, la CENI dit, dans 5 jours, ils doivent auditer 46 millions de Congolais enrôlés. Dans 5 jours. Alors que quand vous prenez en 2018, Nanga avait enrôlé également 45 quelques millions de Congolais. Donc les chiffres sont approximatifs. Ouais. Mais pour auditer les 45 millions et quelques de Congolais qu'avait enrôlé Nanga, on avait 3 semaines. Et si j'ai une bonne mémoire, les 3 semaines n'avaient même pas suffi. On avait encore ajouté 5 jours. Et voilà, le travail a été fait. Et à ce temps, nous, de l'opposition, avec l'actuel IDP au pouvoir, on s'est battu pour l'audit de ces mêmes fichiers électoraux. Et c'est une malédiction aujourd'hui que la même question refait encore surface avec ceux-là à qui nous avons combattu ensemble dans le passé et qu'aujourd'hui ils sont maintenant au pouvoir, ils jouent le même rôle que leurs prédécesseurs. Ça pose problème. Je quitte là. Je vous prends la CENI déjà d'ici le 25 juin. Elle va convoquer le corps électoral. Mais en même temps, nous n'avons même pas encore la loi sur la répartition des sièges. Vous voyez cette dichotomie. On vous parle de la convocation du corps électoral le 25 juin, mais alors qu'en amont, on n'a même pas la loi sur la répartition des sièges. Et du coup, je me demande comment ça va se fonctionner, comment ça va se passer. Donc, je retiens et je note l'incohérence dont le chef de M. Kadima et tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est dit tâtons pur et simple. Et nous allons répondre le 20 décembre. Parce que le 20 décembre, il n'y aura pas élection. La CENI sera butée à un problème. Aujourd'hui, je chute par là. Ouais. La question Pécounia, on n'en parle pas. La contrainte financière. Jusque-là, le gouvernement n'a pas encore répondu. Et les machines
dont la CENI a acheté, ce sont des machines seulement pour l'identification et l'enrôlement. Ils doivent passer encore commande pour la machine à voter. Jusque-là, cette question n'est même pas encore mise sur la table. Voilà des pesanteurs, des indicateurs qui nous montrent à suffisance que cette CENI sera contrainte. Donc, comment elle se dirige droit vers le mur. Très bien, merci. Donc, pour nous, on est en train de regarder quasiment dans son théâtre. Cher papy, vous avez suivi les préalables qu'on vient de nous présenter. Quelle est votre lecture? Merci beaucoup, cher journaliste. J'ai été toujours indigné chaque fois que je suis sur le plateau de télévision avec un confrère avec qui j'ai beaucoup de respect, mais qui ne maîtrise pas les styles linguistiques ou l'argumentaire tentaculaire du troisième intellectuel de Kabeya Kamwanga que je suis. Allez-y. Je n'ai pas sacralisé le respect des Mosées. J'ai donné un point de vue. Et j'ai même dit, les avis seront partagés. Très bien. J'ai dit ceci. Les Congolais doivent se mettre autour d'une table pour réfléchir pour cette date du 17 mai. Nous avions cru que Mosé était venu nous libérer, mais plutôt Mosé était venu nous livrer entre les mains du Rwandais. Est-ce un manque de respect? Non, allez-y. Alors, j'ai... Non, je suis en train d'arriver. Okay, je vais venir au allez-y, préalable. Allez-y. Je regarde mon ami en face, qui a dit, il a retenu une chose, une parole de Mosé qui dit, n'ai jamais trahi le Congo, mais je lui apprends aujourd'hui que c'est Mosé même, c'est lui qui est l'auteur de cette phrase, et c'est lui-même qui l'a violée. C'est-à-dire, il a trahi le Congo. Comment ça? En nommant un... Monsieur Rwandais aux affaires étrangères. Et lui-même s'était étonné, ça ne vient pas de moi. Mosé s'est étonné. Mais quand est-ce qu'il a prononcé quand est-ce qu'il a, il a donné ses vous allez réagir. Vous avez la parole. Allez-y. Nous ne sommes pas devant la barre pour dire que ce sont des manœuvres frauduleuses. Allez-y. Terminez. Mosé, lorsqu'il renvoie l'armée rwandaise, il voit son ministre des Affaires étrangères plier ses bagages. Il dit non, mais comment mon ministre peut partir? Le ministre lui répond, notre armée est en train de rentrer chez nous. Voilà la trahison. Très bien, merci. Voilà. Alors, quand on me parle du respect, en tout cas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il le dit. Mon ami, encore, je reviens au président, s'il vous plaît, je suis dans mon train. Allez-y. Mon ami dit, c'est l'IDPS qui a joué un grand rôle pour l'infiltration dans notre pays. J'ai beaucoup de respect envers le professeur émérite Ntouaremba, qui est le secrétaire général de ma formation politique. Est-ce que je devais passer par le professeur émérite pour m'apprendre? Il y a beaucoup de professeurs. Il y a le professeur Yuma Kimapi, il y a le professeur Kalamba Ilompomo. Il faut parler sous beaucoup. Réserve, vous risquerez d'être sanctionné au parti. Hein. Non. C'est votre secrétaire général. Non, c'est pour lui dire que nécessairement, je ne devais pas passer par les mains de mon secrétaire général. J'ai beaucoup de respect pour lui. Très bien. Alors, Ngoma a pris la parole pour parler de l'audit des fichiers électoraux. Il a pris la gauche, il a pris la droite, il est venu au centre, donc il n'a rien dit. Il dit, il a présenté nouvel élan. Les préalables. Le nouvel élan. Sa formation politique. Avant les élections. Qui est au sein d'une plateforme politique qui est la Moka. Alors qu'ils ne sont plus dans la Moka. Aujourd'hui, c'est lui qui a les bâtons de commandement de la Moka. C'est le professeur Kalil. Au nom de qui, au nom de quoi il parle que sa formation politique est dans la Moka. Mais son, juste mon cher, allez, je viens allez. Dans les préalables. Très bien. Son président national a donné des hommages à ce régime. Il dit, depuis que le Congo est Congo, nous n'avons jamais vu un président comme Félix Tshisekedi. Et pour se faire, bravo, courage à lui. C'est Mouzito. Il a parlé de 3 semaines. Cher ami, est-ce que vous serez content de voir l'OIF venir auditer les fichiers électoraux de la République démocratique du Congo? Parce que la présidente même de l'OIF, rwandaise de son état, et nous connaissons
Les jeux que les Rwandais jouent. J'ouvre une parenthèse. Si mon frère en face, mon débatteur, qui dit que c'est l'IDPS qui a joué à l'infiltration dans ces pays, a joué un grand rôle, mais il se détrompe. Même les petits-enfants à la maison sont en train de s'étonner. Même Christian Boussembe, lui-même, le DG de cette chaîne, s'étonne, je le salue en passant. Mais nous avons toujours décrié ici les malheurs du Congo, c'est la Kabylie, que ce soit Kabila père, que ce soit Kabila fils. Ce sont eux qui ont joué un grand rôle pour infiltrer le Congo. Un général d'état-major a été arrêté par la CPI. On lui pose la question, en quelle langue va-t-il s'exprimer? Toutes les langues de la République démocratique du Congo, il ne connaissait pas. Il dit le Kinyarwanda. Et la cour même était étonnée de voir qu'un chef d'état-major s'exprime dans une des langues, mais dans une langue qui n'est pas celle de la République démocratique du Congo. Et vous allez dire que c'est l'IDPS qui a infiltré. Je reviens. Est-ce que parce que Nanga avait procédé par l'audit à 3 semaines, Kadima, qui est aussi expert en matière électorale, doit-il plutôt suivre l'exemple de Nanga? La technologie n'évolue pas. C'est parmi les raisons que l'OIF a refusé, parce que le timing n'est pas. Mais l'OIF, nous en passons, mon cher. Le timing? Non! Vous avez dit ici pour le timing de quoi? De l'enrôlement. N'est-ce pas, nous avons fini. On avait prévu à enrôler 49 millions de Congolais. Et nous sommes à 48 millions. Dans les délais qui étaient impartis de 3 mois. N'est-ce pas, on a travaillé. Est-ce que parce que Nanga prenait peut-être 6 ou 7 mois, que nous nécessairement, ou soit que Kadima nécessairement, prennent... Vous avez enrôlé 46 millions et non 48 millions. S'il vous plaît, le nombre a augmenté. Hein? Le nombre a augmenté. Oh. S'il vous plaît. Mais vous n'êtes pas informé, moi, je vous dis. Une minute. Et donc, ce n'est pas parce que Nanga a travaillé à 3 semaines que Kadima travaille aussi à 2 semaines. Les préalables qu'il a soulevé, l'argent n'a pas été encore décaissé. Mais ils ont décrié ici. Oh non, le processus électoral commence, le ministère des Finances n'a pas encore donné de l'argent. Est-ce que les Congolais n'ont pas de carte? Ils en ont, excepté c'est du FCC et les mosaïstes qui est en face de moi, à qui on avait interdit d'aller se faire enrôler. Donc je termine pour d'abord saluer les efforts qui sont menés par le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Et nous savons, parce que si mon confrère, mon débatteur, Claude Ngoma, a dit que là où l'eau va amener Caillou, on est là. Non, c'est nous qui avons dit cette parole à l'époque où on était à l'opposition, lorsqu'on avait boycotté la machine électorale. Et le président Félix Tshisekedi, à l'époque candidat, il a dit, avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Ils sont des plagiaires, ils ont plagié. Ce n'est pas un mot nouveau, mon cher ami. Merci. Et donc, j'apaise tous les Congolais, parce que le président de la République, le garant des bons fonctionnements des institutions, tient à ce que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels, et dans les délais constitutionnels, allais-je dire, et que Denis Kadima est au service de la population. Les élections auront bel et bien lié. Les fichiers électoraux, on a publié une liste de ceux-là qui vont auditer à l'exception de l'OIF. Parce que nous savons que l'OIF, c'est gaga, mais nous ne voulons pas que ces fichiers soient piratés. Merci. Il faut que les Congolais eux-mêmes auditent et nous donnent des résultats. Très efficaces d'ailleurs. Voilà. Très bien. Je reviens chez cher Jules, qui est expert en marketing politique. Nous allons revenir pour voir un peu votre lecture par rapport à l'audit lancé par la CENI. Alors, je veux avoir votre avis, cher Jeannot, par rapport à l'audit et tout ce qu'il y a. Nous avons entendu les préalables, la réaction. Quelle est votre lecture? Merci beaucoup, cher ami, pour la question. Je mériterais quand même rappeler la conscience du gouvernement ici. Mon prédécesseur a parlé déjà de ce qui a été la révision de la loi sur la cartographie, le financement, ainsi de suite. Je n'aimerais pas m'atteler dans cet aspect-là. Moi, je vais aborder aussi à mon sens. Vous savez, lorsque lorsque le gouvernement nous a présenté ce processus électoral, vous savez que la position de l'opposition du FCC à l'époque, c'est parce que nous avons décelé
quelques insuffisances au niveau de l'organisation. La première des choses que nous avons demandé, c'est que le bureau de la CENI soit d'abord consensuel. Il y a une évaluation, vous avez vu comment ce bureau a été boutiqué au niveau de l'Assemblée nationale jusqu'à nous présenter ce bureau que nous avons aujourd'hui. La deuxième des choses, vous avez vu comment il y a une planification à ce qui concerne l'élection de membres de la Cour constitutionnelle. Troisième plan qui a été mis en place pour ce régime, il y a un plan que moi j'ai développé, la théorie de la balkanisation électorale. Pourquoi? Parce qu'une machine a été mise en place, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, la volonté de ne pas organiser ces élections. C'est là que j'ai poussé mes réflexions en allant dans ce que je dis tantôt, la théorie de la balkanisation électorale. La théorie de la balkanisation électorale consiste à quoi? Vous avez vu pendant une période, n'est-ce pas, il y a quelques avancées qui ont été développées par ces régimes. On dit que non, on n'organiserait pas les élections parce qu'il y a la guerre de l'Est, n'est-ce pas? Ce n'est pas réellement une approche très fondée par rapport à ça, parce que ça, tellement que ça a été soutenu par les régimes. Il fallait nous mettre dans cette condition. La première des choses, vous savez que vous prenez les trois provinces de l'Est, qui a toujours joué un grand rôle dans ce que nous avons appelé la quotient électorale, n'est-ce pas? Lorsque vous prenez Ituri, vous prenez Nord-Kivu, vous prenez Sud-Kivu, les trois provinces réunies dans son ensemble, elles représentent 40% de l'électorat national. Ça, c'est au niveau des électeurs. Lorsque vous prenez les trois provinces réunies, n'est-ce pas, elle a plus de 70 députés nationaux. Alors, pour toute machine qui veulent, n'est-ce pas, boycotter les élections, ils vont se focaliser. Dans cette approche. Rappelez-vous, il y a un député de l'Est, d'ailleurs, qui a dénoncé cela, pour dire que dans la ligne où nous avons, nous risquerons, et le député de l'Est, de ne pas voter. Parce que la machine a été déjà mise en place pour le mettre de côté. C'est ainsi que les régimes mis en place a voulu se focaliser, n'est-ce pas, sur la centrale. Dans la centrale, nous avons au centre du pays, nous avons Kassai Oriental, Kassai Occidental, les grands Kassai, pour se taper, n'est-ce pas, des électeurs et dans le but de pouvoir convaincre la population que nous avons gagné les élections. Ça, c'est un point. Un autre point, nous avons prodigué des conseils à ces régimes, c'est-à-dire que les trois cycles électoraux, nous avons organisé les deux cycles électoraux avec le fonds propre. Il ne fallait pas, n'est-ce pas, amener de bailleurs de fonds parce que le bailleur vient avec des conditionnalités pour tout ce qui est de processus électoral. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Ils ont dit ce qu'ils ont demandé à l'opposition et aujourd'hui, ils sont tombés par le propre piège. Si vous sillonnez dans la ville, vous constaterez que la plupart des ouvrages qui sont dans la ville de Kinshasa sont réalisés par l'OIF, l'Université de l'IPEN. Le stade de Tata Raphaël, pour l'organisation de la 9e G de la francophonie. La main qui donne, c'est la main qui dirige. N'est-ce pas? Nous sommes tombés nous-mêmes dans ses propres pièges pour la mauvaise lecture de la politique internationale avec les intentions des bailleurs, les bailleurs multilatéraux et bilatéraux. Telle est l'erreur de ce régime ici. Lorsque l'OIF vous demande de pouvoir auditer, c'est parce qu'il y a la mainmise sur le financement de la CENI. Parce que les budgets de la CENI tels que présentés par ces régimes, 1 milliard 500 000, 1 milliard 600 000, n'est-ce pas, c'est irréalisable. Les gouvernements en place à amener ces bailleurs de fonds par rapport à ce qui a été les deux cycles électoraux passés. Parce que nous avons organisé avec le fonds propre. C'est ça les erreurs qu'aujourd'hui, que nous ne voulions ou pas, ceux qui ont contribué, ceux qui ont donné leur argent pour l'organisation des élections, ils auront toujours la même mise sur les fonds qui sont décaissés pour cette organisation, que nous ne pleurnichons pas. Nous ne pleurnichons pas. C'est une situation qui est arrivée parce que les organisateurs ne voulaient pas nous écouter. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en arrivée là.
Alors, voilà la situation que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup, cher Gilles. Que cela vous inspire, l'audit du fichier électoral? Merci beaucoup, cher Daniel. Vous avez cinq minutes, allez-y. Oui, j'espère que j'aurai mon temps. Très bien. L'audit en externe, c'est une opération normale qui est dans le programme de la CENI. C'est vrai qu'il est prévu, après le nettoyage du fichier électoral, qu'il y a un audit interne qui soit fait. Il a été fait. Mais en externe, nous l'avons dit ici, qu'il s'est posé un problème de souveraineté. Le Congo a pensé que ça ne devait pas être l'OIF parce que le Congo estime que l'OIF est conduite aujourd'hui par une Rwandaise proche de Kagame dans un pays anglophone mais qui est responsable de l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc, ce fricotage-là avec le Rwanda fait que le Congo puisse dénoncer cela. Et en matière de coopération, que ce soit bilatérale ou internationale, il y a lieu de faire écouter sa voix. Mais par rapport à une position qui... Vous refusez que l'OIF audite les fichiers électoraux aujourd'hui, mais c'est l'OIF qui soutient quand même, qui met en place tout ce qu'il y a comme neuvième jeu de la francophonie. Mais ça, c'est un raccordement frauduleux. Comment vous expliquez? C'est un raccordement frauduleux que de penser comme ça. Dans la coopération internationale, la question de jeu, des jeux de la francophonie, c'est autre chose, ce ne sont pas des élections. Je ne vois pas comment vous faites le lien entre les deux. La coopération avec l'OIF, elle continue, on ne l'arrête pas. Mais nous pensons que sur un dossier, nous ne sommes pas d'accord que l'OIF fasse... Parce que dans notre souveraineté, nous avons le droit d'accepter ou de refuser une maison avec laquelle nous pouvons travailler. Parce que ce n'est pas la seule maison qui existe en matière d'audit externe. Et donc, pour moi, je pense que c'est vrai que l'on peut se plaindre d'une certaine manière. Mais vous savez, cher Daniel, moi j'ai compris. Malheureusement, sur cette table, je suis le seul qui ne soit pas... qui ne soit pas politique. En fait, j'ai compris seulement que même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, quand ils étaient hier dans l'opposition, tout ce qui faisait le pouvoir était mauvais. Donc, cette lecture-là me permet de comprendre que de plus en plus, les Congolais, nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons. Ce qu'ils étaient en train de décrier hier, aujourd'hui, je me rends compte que ceux qui dirigent se rendent compte que ceux qui sont dans l'opposition continuent à décrier ça. Alors, je me demande à quoi nous devons nous en tenir vraiment. Mais si moi je dois me fier au programme tel qu'il a été présenté, je crois que le programme est en train de suivre son cours normal et que j'ai écouté la plainte de mon aîné en face qui dit que il se peut que le jour soit très réduit, 5 jours, mais j'ai entendu mon frère aussi dire que si hier certaines choses ont été faites en 6 mois, aujourd'hui nous avons vu qu'en 3 mois, ça a aussi été... C'était aussi possible parce que la technologie avançant, les gens sont en train de s'adapter pour faire des choses. Et donc pour moi, je crois que je vais plutôt les exhorter à faire ce que lui l'a dit. Que là où l'on va amener caillou, ils seront là. Il faut aller jusqu'à la fin. C'est que l'FCC refuse. Parce que l'opposition d'hier est arrivée au pouvoir aujourd'hui. On peut tout dire, mais c'était une partie de l'opposition qui arrivait au pouvoir. Donc moi, je crois qu'il faut faire foi. Il faut, je ne leur demande pas de se taire, parce qu'il faut faire du bruit. C'est en faisant du bruit que les autres aussi se rendent compte qu'il faut corriger ce qu'il y a. Mais il ne faut pas boycotter. Parce que quand on boycotte, ça veut dire qu'on ne participe plus. C'est comme si on veut arrêter le temps. Or, le temps doit continuer. Parce que je sais que si on se réveille un matin du 21 décembre et qu'il n'y a pas élection, ça sera un grand souci, un grand problème dans le pays. Mais aussi... la question de ne pas... Il ne faut pas... comment je vais dire? Prêter le flanc à la balkanisation. Je crois que c'est une question que mon ami a relevée. Parce que à un moment, cette question-là s'est posée. Est-ce que les gens qui sont dans une situation de guerre, quel sera leur sort par rapport aux élections? On a réfléchi à ça. Je crois que de plus en plus, les gens se sont rendus compte qu'il faut à tout prix aller aux élections. Alors, si c'est à tout prix... Moi, je crois qu'à tout prix, veut dire ce que ça veut dire. Donc, il faut à tout prix aller aux élections. Donc, il faut faire des efforts
Moi, je crois que c'est à eux de dénoncer, de faire du bruit. Pas de boycotter. Pas de boycotter. Quand on boycotte, ça bloque la machine et puis ça ne permet pas aux choses d'avancer. Je crois que c'est là mon point de vue. Quand il faut travailler sur la crédibilité, l'inclusivité, la transparence, je crois que le processus a déjà atteint un certain niveau, parce qu'il fallait aller depuis le Parlement pour faire des équipes selon la majorité et l'opposition. Il y a jusqu'aujourd'hui ce qui décrit encore la composition de toutes ces équipes-là, jusqu'au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais moi, je suis vraiment derrière lui. Là où l'on va amener Kayouf, il faut qu'il soit là, et qu'ils aillent jusqu'au fond, parce que c'est comme ça que les élections se font. Donc, c'est ça mon point de vue. Vous avez demandé aussi. Oui, je vais vite balayer quelques histoires qu'on a étayées sur ces plateaux à la Liga. Tout à l'heure, il y a mon frère Papi Diosso, le troisième intellectuel de Kabila Kamwanga, que j'ai beaucoup de respect. Il a été des choses ici, comme quoi Mozito a plébiscité le régime en place. Ouais. D'abord, une précision détail, Mozito n'est pas le président du parti Nouvel Élan. Mozito n'est qu'un initiateur. Le président du parti, c'est M. Paulin Mboma. Et en aucun cas et en aucun jour, M. le camarade Adolphe Mozito a plébiscité le régime en place. C'est mais pas plutôt, interdit quand même de... Plutôt, le camarade Adolphe Mozito avait dénoncé que... Il avait plutôt alerté l'opinion nationale qu'attention, les régies financières sont allées au-delà de leurs assignations et que, au-delà de ça, nous devons avoir un budget près de 20 milliards de dollars. C'était en fait attiser un peu les régimes parce qu'ils ont amassé l'argent. Ils ont mobilisé pas mal d'argent. Et donc l'opinion doit être aussitôt informée de l'utilisation de cet argent. Donc c'était ça un peu. Okay. Alors... Quand mon frère Papi Diosso me parle ici la question de l'OIF, heureusement, mon frère Jeannot a donné des éléments sur ça. Comment voulez-vous, pour des questions de souveraineté, vous refusez l'OIF ? Mais alors que la RDC est membre de cette organisation et... Au nom de la souveraineté, voilà, vous refusez l'audit du fichier électoral, que ce soit réalisé ou fait par... On l'a bien expliqué, voilà. Il y a des dossiers... Mais maintenant, pour des besoins de pécunia, quand il s'agit de l'argent, quand il s'agit de bailleurs de fonds, voilà, cette question de souveraineté est mise à côté. Là, il n'y a pas Kagame. Là, il n'y a pas Kagame. Parce que mon frère, tout à l'heure, il a confirmé que l'OIF, c'est Kagame. Mais quand on vous finance, Kagame n'est pas là. Et moi, je pense que ça pose problème. Très bien. Il y a M. Gilles encore qui a parlé de la question de la souveraineté quant à l'audit du fichier électoral et que voilà, la RDC, au nom de sa souveraineté, a refusé que l'OIF vienne, comment donc, auditer le fichier. Voyez-vous ? Mais moi, je réfléchis. Comment vous pouvez... Refuser à une organisation. Heureusement, la partie RDC n'a pas refusé. Mais c'est l'OIF qui a reformulé. Ça démontre que les 5 jours est insuffisant. Oui, mais moi je dis, la RDC tant que membre de cette organisation, nous sommes liés par rapport à des dispositions qui sont dans cette charte de l'OIF. Et tant que membre. Alors, si c'est la personne de Louise Mushikiabou qui gêne la RDC, mais pourquoi le régime, pourquoi le gouvernement n'arrive pas à se retirer de cette organisation? Et là encore, ça sera plus fort. Pourquoi? Parce que le gouvernement va incarner ce que nous appelons le rapport de force en termes sur le plan diplomatique. Parce qu'il faut comprendre que la RDC dans cette organisation, nous sommes le deuxième. Le pays le plus francophone. Voilà. Donc, si on s'est retiré de cette organisation, ça va faire encore du poids à ces gouvernements. Mais malheureusement, par un faible leadership au sommet de l'État, on ne peut jamais, ils ne peuvent pas prendre cette décision qui est salitaire. Alors, je cite en 10 secondes. Est-ce que Abou Nagana y a eu enrôlement? Est-ce que dans les zones occupées, est-ce qu'il y a eu enrôlement de nos compatriotes de ces côtés? Parce que tenez, nous avons enregistré aujourd'hui plus de 5 millions de Congolais, de déplacés. 5 millions de déplacés.
Est-ce que ces 5 millions de déplacés, comme le Congo, ce gouvernement n'a pas cette culture des statistiques, on ne sait pas dans les 5 millions, il y a combien de Congolais majeurs, combien de femmes, combien des hommes, combien d'enfants. Et dans ces statistiques, nous devons savoir, est-ce que M. Denis Kadima a tenu compte de nos compatriotes qui sont dans une situation déplorable de déplacement? Tout ça, ce sont des questionnements. Et raison pour laquelle ça nous pousse encore plus loin à réfléchir, même les 46 millions de Congolais enrôlés, chiffre donné par la CENI, moi je doute encore de ces chiffres. Vous voyez, je doute encore de ça. Pourquoi? Parce que face aux évidences, nous devons être rationnels. Merci beaucoup. Et les évidences ici, c'est les zones à conflit. Je ne vois pas comment la CENI pourra organiser les élections dans toutes ces zones dites à conflit. Monsieur Jeannot, dans trois minutes, votre réaction, comme ça on termine avec Monsieur Papy, et puis on prend la dernière thématique. Allez-y. Oui, dans cette même ordre d'idées, comme nous réfléchissons sur les élections, d'autres fichiers, les fichiers électoraux, c'est comme je l'ai dit tantôt. Vous comprenez? Alors la CENI n'était pas en mesure de pouvoir organiser des élections. Vous convenez que vous et moi, que la population de la République démocratique du Congo est à plus ou moins 120 millions d'habitants, à ce qui concerne les statistiques approximatives. Vous prenez de Vodacom, vous prenez de la PEV, les structures nationales qui travaillent dans les statistiques. Nous sommes déjà au-delà de plus de 120 millions, n'est-ce pas? Or, la CENI, à elle-même, elle avait dit qu'elle doit pouvoir enrôler au minimum 40% de cette population-là. Vous comprenez? Or, si nous faisons des calculs simples, avec des données que la CENI a eu à mettre en place au niveau de la population, la CENI a enrôlé, n'est-ce pas, 46 millions. Dans les 46 millions, et le président Kadima lui-même a dit qu'il y a eu des enfants mineurs qu'il faudrait qu'on enlève dans les 46 millions. N'est-ce pas? Ouais. Et il faudrait qu'il nous présente ses travaux. Après avoir nettoyé ses fichiers, l'enlèvement des mineurs, ensuite de suite, nous sommes restés avec combien? N'est-ce pas? Et c'est ces nombres-là, c'est ces chiffres-là que la CENI doit devoir mettre au niveau de la population. Je conclue en disant que les chiffres tablés comme des bases pour aller aux élections ne permettraient pas à la CENI et d'aller aux élections avec les 40% comme assignation. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, il est celui du financement des élections. Vous comprenez? Nous nous retrouvions à ce niveau ici, les présidents dit qu'il n'a pas été financé qu'il y a presque 4 mois. N'est-ce pas? 4 mois qu'il n'a pas reçu de financement. Vous comprenez? Alors, les budgets nationaux qui devraient prendre en charge une partie des élections, le budget lui-même souffre de la réduction de la loi sur la réduction budgétaire. Parce que ce budget est irréaliste en termes des assignations. Il y a eu des rapports qui ont été publiés récemment par l'ODEP pour dire que les 16 milliards est irréaliste. Pourquoi? Parce que le mois de janvier seulement a donné 500 millions de dollars comme recette. Le mois de février a donné 495 millions comme recette. Et le mois de mars a donné 600 millions comme recette. Mais les structures qui dépensent les fonds de l'État ont bizarrement constaté que le mois de janvier, n'est-ce pas, les recettes ont été réalisées de 500 millions, mais les dépenses ont été faites de 725 millions. Donc, il y a un dépassement budgétaire en termes de dépenses. Okay. Nous avons produit moins, nous avons fait plus de dépenses. Merci. C'est une réalisation faite par des structures. Alors, c'est ainsi que nous constatons que cette mauvaise gestion va de soi dans les dysfonctionnements de structures de l'État. C'est ainsi qu'il est irréaliste à cet instant pour que la CENI puisse organiser des élections. Okay. C'est ainsi que nous sommes partis par les faits de constatation déjà préalables. Parce que gouverner ce pouvoir, nous avons géré 18 ans, nous savons comment les élections s'organisent. C'est ainsi qu'on avait, dès le départ, dit à ces régimes,
organisons très bien les choses pour donner l'occasion aux Congolais, que tout le monde puisse se taper, puisse avoir le moyen d'aller aux élections. Alors, cher Papi, vous avez 3 minutes, comme ça on passe à la dernière thématique. Allez-y, votre réaction. J'aimerais que lorsque Jeannot va prendre la parole, qu'il dise aux Congolais si toutes les échéances électorales, le gouvernement national avait pris ça en compte. C'est ce qu'il a dit, et j'avais même noté. À l'exception de l'échéance de 2018. Mais est-ce que si nous devons parler de la question électorale, le FCC est un modèle? Vous êtes le fruit de l'alternance, d'une bonne élection? Telle est la réponse la que je peux vous donner. Mais je ne lui ai pas posé la question. Mais quand il prendra la parole. Lorsqu'il parle du bureau de la CENI, que le bureau doit être consensuel. Très bien. Je me pose la question s'il était ici ou il était en dehors du pays. Je regarde maintenant mon frère Ngoma Claude. Très bien. Moi, je n'ai pas dit que Mouzito est le président de votre parti politique, qu'il soit initiateur, qu'il soit membre simple. Mais nous savons que le nouvel élan, qui dit nouvel élan, dit Adolphe Mouzito. Ne vous cachez pas derrière les terminologies pour distraire la population congolaise. Et donc, ceux qui peuvent même parler, nous pouvons laisser la possibilité à Martin Fayoulou. Mais pas vous. Vous étiez à la primature. Nous n'avons jamais vu quelque chose de concret. Et aujourd'hui, vous vous constituez en donneur des leçons. Comme si l'on vous redonne encore le pouvoir, vous ferez quelque chose de nul. Alors que vous l'aviez pour ne rien faire. Ils vous diront seulement, nous avons laissé les taux d'échange stables. Nous avons augmenté les salaires de magistrats. C'est ça. Vous en connaissez quelque chose. C'est la promesse de Mouzito, ça. S'il vous plaît, que l'émission ne devienne pas comique. L'allègement de la dette extérieure. Et donc, vous en parlez, c'est bon. Nous sommes en train de dire ceci. Ce n'est pas parce que l'OIF de Gaga Mela est en train, peut-être il a parlé des peintres, l'université nationale et tout ce qu'il y a. On vous a répondu, si mon frère à gauche a répondu. Nous sommes quand même un pays souverain. Est-ce que parce que nous sommes membres de l'OIF qu'il faut tout accepter? On ne peut pas émettre un avis. Nous disons ceci. Pour l'audit du fichier électoral, nous refusons. Si vous voulez construire des routes, vous voulez faire autre chose, faites-les. Mais le financement des élections, vous allez... Pardon? Le financement des élections. Vous recevez. Le financement des élections? Oui. On a reçu où? Mais l'OIF va vous financer. Vous n'avez pas l'argent. L'OIF ne va pas financer les élections. Est-ce qu'il faut parler des choses dont vous avez la maîtrise ou bien vous parlez comme ça? L'OIF va financer les élections en République démocratique du Congo. Il a des intentions. Mais est-ce qu'avoir des intentions, c'est financer? Il a commencé avec les jeunes de la République. Ah, non. Ce n'est plus normal. C'est pour le gain. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Je demande à la population congolaise de ne pas suivre cette fameuse opposition alimentaire. Parce que, au lieu que s'il vous plaît, l'opposition en République démocratique du Congo, au lieu de fonctionner sur base de l'article 8, si je ne m'abuse, de la Constitution, mais l'opposition se constitue en une opposition alimentaire et l'autorité morale qui est le patron de Kachobwe. Ce qui n'est pas normal. Interdit. Non, je ne dis pas que c'est interdit. Je vais seulement faire voir à la population congolaise de ne pas suivre les arguments ici donnés par nos deux amis en face parce qu'ils ne sont pas crédibles. Si on parle de la crédibilité même sur les plans argumentaires, ils ont dirigé ces pouvoirs pendant 18 ans, un régime sanguinaire. Ils ne peuvent pas être sur ces plateaux pour donner des leçons. Oh non, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Ngoma aussi était, donc ce sont des alliés parce qu'ils se soutiennent sur les plateaux, vous l'avez vu. Il fut premier ministre pour ne rien faire à part l'augmentation du salaire de magistrats. Merci et donc, beaucoup. Nous soutenons tous les efforts qui sont menés par les présidents de la République, ainsi par les présidents de la centrale électorale pour la tenue des élections
effective et dans les délais constitutionnels. Ceux qui sont déjà choisis pour l'audit vont les faire et nous attendons des résultats concrets. Merci beaucoup. La sortie officielle, qu'est-ce que j'ai dit là ? La sortie médiatique de Vital Kamerhe sur la rareté de maïs à, dans les grands Katanga et les grands Kasaï, pourquoi pas en RDC, en République démocratique du Congo. Alors je voudrais commencer avec vous, cher. Toujours. Toujours. Très bien. Alors, Vital Kamerhe nous promet que vous allez marcher comme vous voulez marcher, mais quand vous allez terminer sur les marchés, vous allez retrouver à manger. Comment vous analysez cette sortie de Vital Kamerhe qui est beaucoup plus commentée, il est trop théorique, hein. Il n'est pas pratique. Il a beaucoup à raconter des histoires. Alors, quel est votre point de vue? Là, c'est Vital Kamerhe en train d'expliquer tout ce qu'il y a comme possibilité de ramener ou de faire accroître notre économie. Cher Daniel, il faut noter que cette sortie médiatique a été ratée. C'était une... Je l'ai qualifié même d'un cabaret d'amusement. Il a exprimé la réalité même pas, du pays. Même pas. Pourquoi j'ai dit? C'est parce que le gouvernement ici n'a pas une très bonne politique agricole. Ils n'ont pas une politique agricole. Or, la politique agricole, pour un pays respectable, c'est une priorité des priorités. Pourquoi? Parce que chaque pays se bat pour atteindre la souveraineté alimentaire. Et au Congo, pour ces gouvernements, cette question n'est même pas débattue ou retenue dans un conseil de ministres. L'insécurité, c'est la priorité d'abord pour terminer. Mais quand vous dites la priorité, c'est l'insécurité. Mais la même insécurité, c'est alimentaire également. Vous pouvez comprendre. Et donc ici, je vais vous dire, la RDC a plus de 80 000 hectares de terres arables. Nous avons une population estimée à plus de 120 millions d'habitants. La RDC a 26 provinces. Toutes les 26 provinces sont des provinces à vocation agricole. Mais malheureusement, les gouvernements n'arrivent pas à implémenter une bonne politique capable de nous planter des parcs agroalimentaires, des parcs agro-industriels dans chacune de nos provinces. Et aujourd'hui, par mauvaise politique, par manque de cette politique agricole, ça occasionne la famine en RDC, vu les rapports de 17 novembre 2022 de PNUD qui nous montre à suffisance qu'il y a 27 millions de Congolais en besoin d'alimentation. Ça pose problème. Et ça, c'est comme encore un chanteur qui avait chanté, un chanteur catholique, qui avait chanté « Popo Popo Tiaki Tembe ». Vous voyez, et tout ça, c'est tout simplement parce que le gouvernement, quand vous prenez les gouvernements dans son ensemble, dans cette question, il n'y a aucune priorité. Monsieur Kamerhe, dans sa sortie médiatique, j'aurais voulu attendre de Monsieur Kamerhe nous définir, nous mettre en place une très bonne politique de subventionnement du produit des premières nécessités, parce qu'il s'agissait de combattre la famine. Et malheureusement pour ces gouvernements, ils arrivent à combattre la famine seulement autour du maïs. Seulement autour du maïs. Or, dans un pays sérieux, il faudrait qu'il y ait une très bonne politique de subventionnement sur tous les produits de première nécessité. Et ça, c'est de façon conjoncturelle. Et de façon structurelle, le gouvernement devra travailler d'arrache-pied pour pouvoir organiser les compatriotes ou les privés qui travaillent dans ces secteurs agricoles, les regrouper en coopératives. Vous voyez, mettre en place une très bonne politique capable de soutenir des coopératives de crédits agricoles, pour ne pas dire de banques de crédits agricoles, parce que l'État aujourd'hui n'a pas de moyens. Mais quand j'ai vu M. Kamerhe aller dans tous les sens, je me suis dit, M. Kamerhe, c'est dit sensationnel qu'il nous a offert le jour-là. Donc, le gouvernement en place, vous savez, cette question des maïs, je reviens pour ça. Terminé. Il y a des maïs, je termine dans 30 secondes. Très bien. Il y a des maïs que vous pouvez semer en 3 mois et semer et récolter dans 3 mois. Il y a des maïs que vous pouvez semer et récolter dans 6 mois. Voyez-vous? Mais
Est-ce que le gouvernement a eu ces temps-là? Non plus. Alors, j'ai réfléchi pour dire. Aujourd'hui, la question des maïs, moi je l'ai dit, c'est une fausse question. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de relancer l'ex-Onatra ici avec les trains marchandises pour réduire de manière sensible le prix des denrées alimentaires sur le marché national? Vous avez parlé des routes qu'il faut réhabiliter. Mais les routes, c'est des mesures structurelles, c'est en long terme. Et encore, quand on parle de routes, M. Félix-Antoine Tshilombo, 5 ans à la tête de notre pays, il n'a même pas construit 1 km de route agricole. Alors que le 1 km de route agricole ne coûte que 27 millions de dollars. 1 km de route agricole, 27 millions de dollars. Oui, donc je retiens... De la sortie médiatique de Vital Kamerhe. Non, je retiens pour ces gouvernements le manque de volonté politique. Les acteurs politiques en face n'ont pas cette volonté de pouvoir faire les choses pour améliorer le vécu quotidien et les conditions de vie de nos concitoyens. Cher Janon, Vital Kamerhe a annoncé la suppression de quelques taxes pour permettre l'accroissement de notre économie nationale. Votre réaction? Très déçu. Pour avoir suivre ces briefings, je suis en train de les regretter aujourd'hui. D'ailleurs, ma femme qui était avec moi lorsque nous étions en train de suivre, je pense que c'était 22h, 21h passées, j'étais très déçu. Je faillis pleurer au salon que j'étais accompagné de ma femme. Je n'ai pas ressenti Vital Kamerhe à la hauteur. Je m'explique. Je sais que nous nous sommes retrouvés en face d'un historien économique. Il nous a parlé de Keynes, de Karl Marx. Ensuite de suite sur l'économie. Or, de l'entendre, d'entendre ce que lui a développé en termes de, la situation conjoncturelle. La situation conjoncturelle, en tant qu'un gouvernement responsable, devrait par contre statuer, n'est-ce pas, sur une solution à court terme. N'est-ce pas? Telle est la solution ou les attentes de la population. N'est-ce pas? Alors, dans cette attente en court terme, il lui fallait que la résolution ipso facto du maïs, parce que les Katanga, les Kassai orientales, les Kassai occidentales, les trois provinces, ce sont des provinces que nous avons habitées personnellement. Nous vivons effectivement de la production qui vient du Katanga vers les grands Kassai. Mais malheureusement, n'est-ce pas, les 7 membres du gouvernement dépêchés pour donner des solutions à court terme. Oui. On pensait peut-être résoudre la solution. Ils ont échoué. Bien qu'il y avait une main noire dans tout ça. C'est des fonds fouillants au niveau de ce gouvernement, c'est dans leurs habitudes. C'est dans leurs habitudes. Je m'explique. J'ai fait les dépenses qui ont été effectuées par ce gouvernement parmi les 7 membres, qui devraient résoudre en quelques minutes une partie de la solution à ce qui concerne le maïs. J'ai pris seulement les frais d'émission, n'est-ce pas? Dans VPM, ainsi que tous les membres du gouvernement, au niveau à l'interne et à l'extérieur du pays. Parce que ces derniers ont fait une double mission. Parce que l'itinéraire était aller au Katanga, qui est l'intérieur, et aller en Zambie, en Afrique du Sud, qui est l'extérieur. Donc les 7 membres du gouvernement ont bénéficié de double mission. J'en arrive. Je fais des calculs simples. Lorsque vous arrivez, par exemple, en frais d'émission pour les VPM, à l'intérieur du pays. Il a 427 000 francs congolais, n'est-ce pas, par jour. Lorsque vous les multipliez par nombre de jours qui étaient 10 jours, le VPM à lui seul, il a un frais de mission de 4 270 000 francs congolais. Lorsque vous prenez pour les ministres, parce que je vis qu'avec le ministre simple, n'est-ce pas, un ministre a droit à 385 000 francs congolais par jour. Lorsque vous me multipliez par le nombre de jours, ça m'a fait 3 millions. Vous le multipliez par les 5 ministres. J'ai pu le vice-ministre du plan qui était sur la mission. En dépit de tout ça, j'ai trouvé 27 millions de francs congolais. 27 millions de francs congolais. J'ai le prix en termes des solutions à court terme que les VPM Kamerhe a dit, si on supprimait les taxes, n'est-ce pas, les sacs de farine reviendraient à 19 dollars. J'ai pris
17 millions fois 19 dollars, ça nous a donné 1355 sacs de farine. Ça, c'est une mission à l'international. Je fais le même exercice à l'international. Les VPM à l'international, il a 750 dollars par jour. Vous les multipliez par nombre de jours. Les ministres, ils ont 700 dollars par jour. Vous les multipliez par 10 jours. Oui. Les vice-ministres, il a 585 dollars. Vous les multipliez par nombre de jours. Ça m'a fait, n'est-ce pas, 48 350 dollars américains. Lorsque je prends cet argent, vous les multipliez, vous les divisez par 19, que lui, les VPM préconise, ça nous a fait au moins 2 545 sacs de farine. Lorsque vous faites la sommation des 1 355 sacs sur les 2 millions, ça nous a fait 3 900 sacs de farine. Donc les 7 membres du gouvernement ont bouffé à lui seul, à elle seule, n'est-ce pas, 3 900 sacs de farine. Mais qui se moque de qui? Très bien. Vous comprenez? Qui se moque de qui? Oh, ce n'est pas la première chose qui est arrivée dans cette province. Nous y vivons, n'est-ce pas? Or, la politique qui a été mise en place à l'époque, il était question de pouvoir désenclaver la province. J'en appelle à mon co-débatteur qui est ici, son chef du parti. Il est dans le territoire d'Idi Lolo, que j'ai souvent l'habitude de pratiquer. Si vous prenez la route du Lolo, Idi Lolo a toujours alimenté le Lualaba. Et la route qu'on faisait en une journée, n'est-ce pas, Idi Lolo au Lualaba, aujourd'hui c'est 6 jours. La route est en état délabrement très avancé, parce que le gouverneur qui avait initié ce projet, le gouverneur Mouyej, il a démissionné jusqu'à ce qu'il ait été retenu ici à Kinshasa. Il était de même, parce que Idi Lolo alimentait l'intérieur de Lualaba, alimentait Kolwezi et d'autres périphéries. Et les Olomami, les Okatanga a été beaucoup plus alimenté, une partie par la Zambie, une autre partie par les Tanganyika et d'autres provinces. Merci. C'est ce qui faisait que lorsque le maïs arrivait au Katanga, ça prenait les trains pour les grands Kassai. À cause de la mauvaise politique, de pouvoir déstabiliser des institutions, les denrées alimentaires qui provenaient, n'est-ce pas, du Tanganyika, ne viennent plus dans les hauts Katanga. Ce qui venait des Idi Lolo, Kasaji, Sandoa, ainsi de suite, ne sont plus alimentés. Et du coup, nous nous retrouvons dans une situation d'indépendance, de dépendance extérieure. Merci. Vous comprenez? Merci. Telle est la situation que nous vivons aujourd'hui. Ça ne demande pas des théories de 1885, 90 pour expliquer à la population. Très bien. Fabien, ma réaction, terminée. Ma réaction est une colère politique. Allez-y. Ce n'est pas une colère ordinaire. Allez-y. Je comprends pourquoi Joseph Kabila avait dit un jour, je manquais 15 personnes. Toutes les bonnes idées que tu donnes ici. Je n'ai jamais géré. Allez-y. Toutes les bonnes idées que tu donnes ici. Tu es du PPRD, FCC, les kabilistes, vous êtes... Je n'ai jamais géré, malheureusement. Quand Kabila pleurait, tu étais où? Je n'ai jamais dit. S'il vous plaît. Je suis en train de déjeuner. Attends, commune, mon raté. Mais si un kabiliste sur un plateau de télévision qui vous fait les calculs fait par Chadari, qui lui a donné sur un papier de venir les exposer à la télévision, ils n'ont pas honte. Ils ont fait 18 ans dans les pouvoirs. Je prends ton chef Joseph Kabila. En 2006, il est devant les micros, l'interprète Vital Kamerhe. À la foire internationale de Kinshasa, il dit ceci à la population kinoise et la population congolaise en entière. Je vais construire dans chaque province une université moderne. Et c'est Kamerhe qui a interprété. Même pas une pose de pierre jusqu'à ce jour. Joseph Kabila est descendu chez moi dans les Kassai orientales. Il a promis à la population kassaïenne que dans 36 mois, les travaux de chute cathédrale vont finir. Depuis jusqu'à aujourd'hui. Même pas une visite. Les maïs. S'il vous plaît. Je suis en train de dire tout ça. Allez-y. Joseph Kabila avait un projet de 5 chantiers. Nous avons vu des panneaux publicitaires.
Moi-même, je me suis dit inutile d'aller en Europe. Je vis les TGV. Je vis des autoroutes. Et je vous dis, rien n'a été fait. Si ce n'est que des publicités sur publicités. Les routes à dessert agricole dont on parle aujourd'hui, et vous dites que le pouvoir ici est incapable de construire ces routes à dessert agricole. Pendant 18 ans, vous en avez construit combien? Votre collègue à gauche, à ta droite plutôt, a dit que 1 km coûte 27 000 dollars. 27 millions. Si, 27 millions de dollars. Son chef était premier ministre. Ils ont construit combien de routes? Même pas 0,9 km. Mais il n'y avait pas pénurie. S'il vous plaît. Ils ne l'ont pas fait. La pénurie, n'en faites pas ça un problème. Parce que même en, même en Belgique maintenant, il y a pénurie de produits alimentaires. Moi, je suis en train de reprocher à Vital Kamerhe. Reprocher à Vital Kamerhe. Oui, il ne pouvait pas. C'est ça même la beauté de l'Union sacrée. Lorsque nous ne sommes pas pour... Oh, moi, vous avez reconnu ces échecs. Je vous dis, nous allons, nous les dénonçons. Très bien. Alors, il y a des mains... Je pense que ça ne va pas vous poser de tort. C'est le problème des routes qui se posent. Les maïs sont là. Mais les faire déplacer de là où ils sont, c'est là où les bas blessent. Vers les consommateurs, c'est là où les bas blessent. À Kanyamaka, il y a des maïs. À Kamina, il y a des maïs. À Mwenedit, il y a des maïs. Merci beaucoup, mais comment faire? On devait commencer par un plan de sortie pour voir comment cette marchandise, ces maïs, pouvaient atteindre le lieu de consommation. Mais seulement, j'ai dit... Mes amis en face n'ont aucune leçon à donner. Celui-ci était au pouvoir, l'autre était au pouvoir, ils n'ont rien fait, même pas 0,1 km de route. Mais il s'est transformé. Non, mais il n'y avait pas de pénurie de maïs. Mais tu n'as pas vu que Chadal lui a fait des calculs, il les a amenés ici. Vous avez suivi les réactions de tout le monde ici. Alors, votre point de vue en tant qu'expert en marketing politique, est-ce un habillage politique? Je suis un peu désolé. Très bien. Je me rends compte que les amis ne veulent pas regarder la réalité en face. C'est quoi la réalité? Il y a eu des crises sanitaires, il y a la crise internationale, et désormais, les choses ne sont plus les mêmes. Le monde est en train de bouger, et la pénurie de céréales, c'est depuis l'Europe. Les cargaisons africaines ont eu des difficultés. Doublé à cela, la sécheresse, le climat qui est en train de déranger de plus en plus. Aujourd'hui, nous sommes devant cette réalité-là. Alors, maintenant, ont-ils droit de dire qu'il n'y a pas de maïs? Je crois qu'en tant que Congolais, ils peuvent le dire. Mais parce qu'ils ont géré hier, qu'est-ce qu'ils ont laissé comme infrastructure pour qu'on n'arrive pas à ce problème? Ça aussi, c'est une question que les gens peuvent se poser. À tout état de cause, moi, je pense que ceux qui gèrent aujourd'hui ont la responsabilité de faire quelque chose, même si nous reconnaissons que l'atmosphère internationale n'est plus la même, le climat n'est plus le même, les conditions ne sont plus les mêmes. Il faudra se mettre au travail. J'ai appris qu'il y a des allègements qui vont être faits en faveur des commerçants par rapport aux taxes et autres. J'ai aussi appris qu'il y a une politique qui va être mise sur pied d'une manière structurelle. Ça, c'est aussi une bonne chose, même si ça vient un peu en retard. Mais on peut aussi comprendre que toutes ces crises dont je parle ont un peu bouleversé les calculs. Et la guerre de l'Est prend aussi un plus grand nombre de financements dans le pays. Et donc, moi, je demande aux gens de se lever et de travailler. Parce que le Congo, ici, n'appartient pas aux politiciens. La population vit. Elle doit vivre et de pérenniser. Nous avons l'obligation de céder, de léguer un Congo plus beau qu'avant aux progénitures qui arrivent. Donc il faut se mettre au travail. Je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai fini là. Merci beaucoup. Dans 30 secondes, les derniers mots. Je ne peux que vous remercier pour cette invitation et j'ai aimé le débat qui a été républicain. Donc voilà, je suis flatté. Merci beaucoup, cher Jeannot. Un dernier mot. J'en fais de même parce que c'est la première fois d'abord de pouvoir participer à cette émission. Bien. Je sais que les DG ainsi que tout le staff technique pour cette opportunité offerte, je vous dis un grand merci. Ça, c'est un deuxièmement. Je voulais aussi saluer la grande famille kabyliste, la fondation Moussa Laurent Désiré Kabila, qui est coordonnée par l'honorable Jeannette Kabila et toute la famille Kabila pour le travail, n'est-ce pas, qui a été fait le 17 mai. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de ces grands héros nationaux. Merci.
dans 30 secondes, cher Fabien, un dernier mot. Je suis très content et je salue le DG Christian Bosembe. Je pense que je suis sur son média, il va me suivre. Salut le DG, ça fait beaucoup de jours, permettez-moi de le dire sur votre média. Mais je vous encourage quand même par le travail que vous êtes en train de faire. Je peux aussi saluer la bravoure de mon chef, le professeur émérite Mutaremba, et le président national de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, l'honorable Smith Kapenda, pour le travail qu'ils sont en train de faire pour l'élévation de notre formation politique. Et je salue également l'autorité morale Adel Kaina Maïna, la Mineta du portefeuille. Merci beaucoup à vous également, cher Jules Pitra Mukendi. Merci d'avoir accepté à notre répondu à nos questions et puis participer à ces débats républicains. C'est toujours un honneur et un bonheur surtout quand on reçoit cette invitation. J'ai été flatté du niveau de débat de ce jour. J'espère seulement que le Congo va gagner. Très bien. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi ces magazines politiques d'actualité, d'ailleurs. Merci beaucoup. Les rendez-vous est pris. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.